bah voilà, c'est fini. Eh bien, bonsoir. Le timer se terminait plus tôt que prévu. Ça, c'est mes réglages de Touch Portal. Donc, on est à l'heure. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ce stream de rentrée de nouvelle année 2023. Bonne année à ceux qui ne seraient pas encore passés sur le forum ou sur Discord. Et Miyu commence à gratter à la fenêtre, c'est parfait. Donc, bonne année à tous. Merci d'être à nouveau présent pour cette nouvelle année de jeux Mega Drive qui va pas durer très longtemps, parce que mine de rien on est au W, donc on est dans les 6-7 derniers pourcents, je pense, des jeux Mega Drive. Il y a pas mal de jeux en W, je pense qu'on en aura pour deux petits mois à mon avis, quelque chose comme ça. Certainement, puisque bah, avec tous les Worlds, tous les World Cup, les Winter machin, les Where is truc, il y a quand même pas mal de travail. Donc écoutez, ça va être deux mois assez chargés. Et puis après on verra. Je pense que XYZ par contre ça va aller mais méga vite. On a peut-être 4 ou 5 jeux en Z. Pas beaucoup plus en X et à mon avis en Y. Si on en a deux ou trois, c'est le bout du monde. Donc ça veut dire que normalement, au milieu du printemps, on aura terminé le jeu Mega Drive. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'après, je fasse des streams durant lesquels je fasse déjà du backlog. Voilà. J'ai un backlog qui est derrière moi, là, qui est assez conséquent. Donc on va se diriger vers ça. Donc en attendant, voilà, c'est la reprise. Bonsoir Kikiche. Eh bien écoute, ça va bien. Meilleurs vœux. Bravo. Meilleurs vœux Kikiche, bonne année. Tous mes vœux de bonheur cette nouvelle année. Comment ça va à toi? Depuis le temps. Meilleurs vœux. Merci. Merci, écoute. Merci. Écoute, l'année commence bien, voilà. Enfin, l'année commence bien. Elle a commencé avec des problèmes sur Twitch, du coup on n'a pas pu streamer VF mardi, alors qu'on était quand même tous prêts. Une bonne grippe, putain, ouais, ça va. En ce moment c'est entre la grippe, le Covid, les bronchiolites et le début des gastro. Pour esquiver tout ça, c'est un peu chaud quand même, quoi. Donc un début d'année peut-être un peu compliqué pour la santé. Bah du coup, bonne santé quand même, hein. Bonne santé, voilà. Bonheur, santé, bonheur, la joie dans les cœurs. Ou bonne santé, mais pas des pieds. voilà, on commence pas, comme par les bonnes vannes. Donc j'ai un petit peu écourté là l'intro du stream, et comme il est un peu tôt, j'ai un tout petit peu attendre que les gens aient les notifications pour arriver. Et puis après, on va commencer tranquillement. Donc les jeux en W. J'ai pas encore fini mes comptes rendus pour Gros Pixel des jeux en V, mais bon, voilà. Salut Speedtourun, bienvenue, Rastanos, salut, les habitués sont là, ça fait plaisir. Meilleurs vœux à tous, bonne année, bonne santé, santé, bonheur, bonsoir Dom. La santé, moi ça va, c'est Kikiche qui est malade. non, cette fois-ci, effectivement, j'étais pas dispo pour le Merry Games Week. Je sais plus ce que je faisais. Je sais plus ce que je faisais, mais j'étais pas dispo, donc je suis pas descendue. C'est un peu la honte parce que c'est quand même voilà, c'est un peu de là que je viens. Donc bonsoir Starbuck 73, ben meilleur vœu à tous, hein. Que du bonheur également, bonheur, réussite, la santé, plein de jeux pixelisés ou pas pixelisés. Hein. J'espère que vous avez reçu des chouettes cadeaux à Noël. Et que vous avez déballé les cadeaux sous le sapin, et que vous avez été gâté par le Père Noël. Si vous avez été sage, si vous n'avez pas été sage, évidemment, un morceau de charbon. Et puis voilà. Ah, écoutez, on est quelques-uns, donc je pense que je vais attaquer tout de suite. Putain, ouais, c'est quoi qui tombe pas en panne. J'ai pas encore fait réparer ma Saturne, je pense que je dois m'en racheter une en fait. J'ai cramé l'ampli vidéo de ma Saturne en branchant mal à Fenrir, du coup j'ai plus de Saturne vraiment fonctionnelle. Faut à tout prix que j'en rachète une pour pouvoir refaire des streams Saturne. Parce que ça me manque un peu. Je voulais faire Dragon Force cette année. Qui est pas du backlog, hein. Je l'ai fini 14 fois. Ben, je sais pas. Alors je pense que c'est ça. En fait, je me suis acheté un Fenrir, le dernier Fenrir là, le 2 en 1. Parce que je voulais absolument avoir un Node 2 sur ma Saturne. Ça me saoule de graver des CD.
Et en fait, je pense que je l'ai retourné, je l'ai démonté, j'ai retiré le lecteur CD, j'ai mis le Fenrir, je l'ai branché. J'ai tout remonté. Et en fait, ben, elle s'allume, mais j'ai plus de son, plus d'image. Voilà. Et donc, est-ce que j'ai mal branché un truc? Peut-être. Après, j'ai demandé à des potes là, qui s'y connaissent, hein, notamment ben, le président d'Emo5, Philippe, et j'ai demandé à Cabri, tout ça. Ils m'ont dit, ah, les Saturnes, ça se répare pas trop. Ça se répare pas trop, les Saturnes. Donc, on va essayer de dégoter des Saturnes d'un petit peu d'occasion, même en loose. Hein. Bon, ça se trouve, hein, c'est pas. C'est un peu chiant parce que c'est, je crois que c'est celle que j'avais à l'époque, peut-être bien. C'est pas impossible que ce soit ma Saturn de l'époque. Et Miyu en train de jouer avec sa queue. c'est pas impossible. C'est pas là. C'est pas là. En fait, j'ai aucune console Jap. Je scream le Ah, le test. premier sub de l'année. Merci, Speed to Run. Merci, merci, merci. Je te fais une hola. Une hola de quoi? Une hola de Kaboul. Voilà. Tac. Pour toi. Merci, 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 merci. Merci bien, ça fait plaisir. Hop, c'est fini là. Voilà. J'ai juste une Dreamcast japonaise que j'ai achetée à un pote il y a quelques temps, mais qui fait un bruit d'hélicoptère. Il y a le ventilo à changer. Mais sinon, moi, j'ai pas de. En fait, la seule console que j'ai, c'est celle que j'achète à la sortie. Et j'ai jamais acheté de console Jap. J'ai jamais été assez au point, assez au fait de ce qui se faisait pour acheter les consoles Jap. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Du coup, je switch et je mets des ODE. Enfin, c'est le projet. Cette année, ODE Dreamcast, ODE Saturn, si elle marche. Écoutez, sur ces entrefaits, on va pas plus niaiser. Voilà, et de toute façon, tout ce qui est collector, Hello Kitty. Ah la vache. Une papouille pour Miyu. Alors, une papouille pour Miyu. Bah, ça tombe bien, parce que Miyu est en train de faire n'importe quoi. Alors, je vais essayer de vous mettre la caméra. Attendez. Hop. Est-ce que c'est parti? Non, non, te. Est-ce qu'elle marche la caméra? Non, t'es pas ready? Attendez. Gnagnagna, 14, ok. Ah voilà, c'est bon, ça a marché, attention. La petite Miyu, hop. Où elle est? Elle est là. Voilà, regardez là, la cocotte, sur son arbre à chat. Donc pas de papouille parce qu'elle est trop loin et je pense qu'elle va m'agresser. Je pense que là, elle est d'humeur à m'agresser, voilà. Si je lui ai fait une papouille, donc j'ai juste un close-up sur Miyu. Alors, elle aura ses papouilles quand elle sera plus d'humeur parce que là, ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Toc! Elle a de la chance hein, d'avoir des fans comme ça. Hein. Franchement, hein, elle avait l'arme de la chance. Donc le W. Alors on est parti, on attaque tout de suite avec un. En fait, c'est quasiment que le jeu que je ne connais pas aujourd'hui. Et c'est plutôt cool. J'aime bien ne pas connaître les jeux. C'est le but hein, de ce gros blog. Hein. C'est de faire des découvertes. Hein. Et donc, et alors on attaque. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de W. Hein. C'est quand même pas rien. Alors avec Wakire 6, c'est un proto. Donc on va pas. Oh si, tiens, on va lancer le proto. On va lancer le proto. Allez, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, Wakire 6, hein, qui sont les. C'est les fous du volant en VF. Bonsoir, Solid Sub. Et bonne année. Ah, est-ce que vous avez le son du jeu normalement? Oui. Hop, le son du jeu. Ah, c'est pour une démonstration de notre distribute. C'est de la 3D, regardez ça. Tout à fait, les fous du volant, c'est un masque de Diabolo. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, pour un proto, ça a l'air assez avancé quand même. Hein. Password, caméra mode radar, nearest car. On va tout laisser. Contrôleur setup, c'est quoi? Accélérer, weapon select. Ok. Il paraît qu'il est très très bien les fous du volant Dreamcast, effectivement. Oh, attends. Bah, en fait, c'est un proto, mais c'est vachement complet en fait. Sprint time trial. Et Waki GP, c'est parti. Not too tough. Ah, d'accord. Donc, on a la peste de poule. Les mecs avec le K. Bon, je vais prendre cette Atlas Diabolo, hein. Les Hillbilly. Le bûcheron. Captain Caverne. Putain, je connais pas tous, hein. Baron Rouge, hein, j'imagine. Ah, mais j'ai pas cette Atlas Diabolo?
Je peux pas les jouer, eux. Bon, je vais prendre... Je vais prendre le Capitaine Caverne. Ah, c'est du mode 7, hein. Oula, par contre... Ouf. Alors, c'est pas très lisible. Oh là la vache. C'est compliqué, hein, de savoir ce qu'on fait. Oh là là, la pression de vitesse est pas terrible. Hein. Oh là 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 là. Oh, c'est assez nul. Alors, je m'habitue juste à la course. Ah, oh, je peux sauter. Mais comment on lance l'arme alors, hein? Je trouve pas comment utiliser l'arme, c'est un peu embêtant. Ah, c'est quand je saute, ça me retire une arme. C'est quoi ce merdier? Attends, je comprends pas comment ça marche. Attendez, je vais recommencer. Parce que là, je ne comprends pas. On dirait un peu, effectivement, t'as raison Kiki, on dirait BC Racers, hein, mais c'est pas du tout clair. Attendez. Ah, attendez, accélération, weapon, select. Mais pourquoi, quand je fais weapon, je saute, hein? De toute façon, je vais passer, je vais mettre accélérateur sur le B, weapon sur le A et select là. Bonsoir, Catel. Bonne année. Ah, du français en plus. Ah là, mais super, hein. Le putain, j'adore. Leur français, c'est génial. Et le test musique, le test SFX, test le display, le password, le difficulty, le mode caméra, le contrôleur setup, l'anglais. Incroyable. Mince, attendez, je fais un tout petit réglage. J'ai laissé un vieux truc Stream Elements qui traîne. Décidément, la rentrée, c'est compliqué. Alors... C'est très très bizarre ça, ces trucs. Hein. On va voir un peu peut-être la démo comment ça marche. Hop là. Parce que c'est quand même chelou quoi. Start le un player game. Oui, Waki GP. Bon, je vais prendre du coup le Baron Rouge là. On va voir un peu. Pourquoi il met l'accélérateur sur C? Ah, attendez! Putain, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas comment marchent les armes. En fait, je pense que c'est pas implémenté les armes. Il y a un truc parce que c'est pas censé faire ça. Ah, ou alors en fait, uniquement l'arme. Ah, en fait, première arme c'était le saut en fait. Première arme c'est le saut, d'accord. Ah, c'est chelou en fait, comme sur le principe. Et deuxième arme c'est le dash. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est un peu un système à la Gradius. En fait, il faut cumuler les armes pour avoir le choix. Voilà, donc là j'ai pris le dash. Et ils me prennent un tour, c'est formidable. Ah, voilà. Et là par exemple... Ah, d'accord. C'est le boulet de canon, là. Mais on m'a piqué des armes ou quoi, là? C'est un peu chaotique, hein.
Alors, je trouve que le décor dans le fond est réussi, moi. Mais en fait, quand on prend une arme, ça consomme toutes celles qui sont derrière. Hein. Donc il y a un côté un peu stratégique, en fait. Bon, 8e. C'est compliqué, hein. Bon. Bon, on fait une seconde course. Mais ça a quand même pas l'air. Oh là 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 là, puis là, comment tu lis ça? Ah non, mais. Je peux tomber? Ah non, on peut pas tomber. Ah, on peut pas tomber, d'accord. C'est déjà ça. Parce que on comprend rien du tout au tracé, en fait. Attends, techniquement, c'est pas mal, hein, mais alors. C'est totalement injouable, en fait. Non, mais. Ah, on peut tomber si, en fait. Ouais, on comprend pourquoi. Oh là, mais vas-y, mais laisse-moi. Putain, voilà. On comprend que ça reste à stade de proto parce que c'est pas possible. Hein. Et je pense que c'est pas rattrapable en fait. Faut vraiment reprendre tout le jeu. Oh là là, pour en faire un truc. Regardez ça. Bah oui, je suis. Attends, c'est bon. Oh mais non, mais. Oh là là. C'est horrible. C'est vraiment infernal. Mario Kart, moi je trouve que c'est une série qui a des défauts, surtout les derniers, mais alors au moins, un truc qu'on peut pas les reprocher, c'est d'avoir des circuits bien conçus. Hein. Et ça, mais c'est pas possible. Ça fait mal aux yeux en plus. Hein. Non mais, puis la constance dans les collisions, des fois on tombe, des fois on tombe pas, écoutez. En plus j'ai un avion, je devrais quand même pouvoir un peu voler, mais non. Ah. Ça, on dirait un peu le super attaque à la Sonic Racing, en fait, qui est propre à chacun, j'imagine. Alors, en plus, t'as le radar en dessous, mais franchement, qui attend de regarder le radar? Putain, c'est débile. Ah, puis les bruitages en façon sample, là, c'est un peu cringe, hein. Oh là là, vas-y, 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 vas-y. Oh là 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 là, j'ai pas assez d'élan. Ah si, quand même. Mais bon, franchement, le rapport avec la série me paraît assez ténu. Hein. Le mal de tête. Hein. Allez, ils me reprennent un second tour. Ouais. La crise d'épilepsie est proche, hein. Si je fais un malaise, appelez les secours. Mais vas-y, là, ce virage, il est horrible. Ah! Bon, allez. Ça suffit. Ça suffit, c'est horrible. C'est vraiment horrible, on comprend que ce soit un proto pas sorti parce que c'est pas possible du tout, quoi. Allez, next. Est-ce que ce sera mieux? Je sais pas. Mais on va lancer Wacky Worlds Creativity Studio, qui est un jeu de dessin, j'ai l'impression. On va voir. Ok, tu me laisses appuyer sur start ou pas? Oh,
ok, donc c'est pas forcément des mecs super... Alors, start, s'il te plaît, Coco. Qu'est-ce que quoi? Ah mais mon start marche pourtant. Qu'est-ce que... Ah, attendez, j'ai un doute sur ma configuration de bouton. Donc on va tout de suite tester un jeu qui permet de vite tester les boutons. Ah, non c'est bon, B, C, A, non c'est bon. Non mais c'est bon, ma config est bonne. Donc c'est le jeu qui déconne. On va relancer peut-être. Ou alors peut-être qu'il y a un twist. Il y a un twist en fait, c'est un jeu qui ne se jouerait peut-être qu'uniquement au stylet, à la palette graphique peut-être. Voyons ça. Wacky Worlds. Ah, ça marche pas en fait. Pourquoi tu marches pas? Ah, ça joue à la souris en fait. Et ça ne se joue que à la souris. Ah, faut que je configure la souris du coup. Ok. Alors on va essayer de configurer la souris en 30 secondes. Si ça marche pas, je le ferai la prochaine fois. On va essayer ça. On tente la souris ou pas? J'ai droit à la manette? Non. Je sais pas si je peux configurer la souris comme ça. Normal. Est-ce que je peux configurer une souris? Nanana. Numéro de la souris. On va essayer ça. On tente ça. Non, écoutez, ça marche pas. Après, ça ressemble beaucoup à Art Alive, hein, sur le principe, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est les mecs de Taz and Escape Commerce qui le font. Effectivement, on reconnaît. Il y a un air. Mais voilà, je vais configurer ma souris, et puis on verra la semaine prochaine. Pour l'instant, on va passer à autre chose pour pas perdre de temps. On va passer à un petit jeu de golf. Attends, d'abord, je vais arrêter de modifier mes... Je vais retirer la souris. Voilà. Un petit jeu de golf. Ah, voilà, le golf. Je vais voir Rastanoès, tu es un homme de goût. On va jouer à... Alors, New 3D Golf Simulation... Wayalae no Kiseki, qui est de la série des New 3D Golf, hein, et qui, celui-là, je passe, je crois, à Hawaï. C'est une très bonne série, hein, New 3D Golf, hein. C'est une série que j'aime bien, qui est assez bien foutue. Alors, peut-être que j'ai déjà fait celui-là quand j'ai fait les N, hein, c'est pas impossible. Hein. Mais bon, après tout, hein. Ah mais TNI, franchement, c'est l'assurance qualité du golf sur Mega Drive. Alors PGA Tour Golf, j'ai joué moi sur Mac, hein. On avait une démo sur Mac que j'ai vraiment rincé quoi. Et j'ai déjà dit, je crois, mais il y a un très bon jeu de golf en arcade qui se joue au trackball et donc à la souris sur MEME. Je vous retrouverai le titre, un de ces quatre. Peut-être un 3D quelque chose.
Attends, j'ai un petit souci par contre de config. Je pense que il faut que je mette en tardive. Attendez, tardive c'était mieux. Bon, allez, c'est bon. J'ai compris. Je pense que c'était partout PGA. Hein. Cette petite musique là. Par contre, c'est pas facile de voir où on vise. Hein. Ah, attendez, alors les touches, c'est quoi? Oh là! Faut peut-être maintenir un bouton. Oh là, attends. Ok, là, c'est la vue sur le green. Alors, le petit conseil du pro. Ok, Mamao, je sais pas quoi, très bien. Encore un conseil de pro. Super. Putain. Là, c'est classement. New 3D Golf. New 3D Golf, c'est... Je vais vous donner... C'est 94. Le 25 février 94. C'est vrai qu'il est tout beau. Oh là, il est pas content. Non. Ah, direction, c'est là. Ok. Faut pas être trop pressé. Ah non, moi je... Non, celui-là, c'est 94. New 3D Golf Simulation. Attendez. New 3D Golf Simulation. On va se mettre d'accord. Walae no Kiseki. Je vérifie, on va croiser les sources. Hein. 94. Alors, ce Mega Drive, peut-être que la version PC98 est sortie en 91. Tu penses à celle-là, Catel, je pense. Par contre, ce qui n'est pas facile, dans ce jeu notamment... Donc là, je sais pas ce que je choisis là en fait. Ah, je peux changer l'orientation de la vue pour mieux viser. C'est puissant, hein. Par contre, ce qui est un peu difficile dans ce jeu-là, je trouve, c'est qu'on n'a pas d'indication de direction longue distance du tir. Hein. Donc là, je m'oriente un petit peu à la Walu, en fait. Bon. Je sais plus comment on tire. Oui. Non mais les pieds c'est bien. Les pieds c'est bien, bonne position des pieds, pas de problème. Allez. C'est fou, on peut choisir précisément le placement le point d'impact sur la balle. Hein. En fait c'est une vraie simulation. Ça c'est un jeu où il faut se détendre, hein. C'est pas un jeu où il faut mettre... Il faut être en mode compète, là je suis en mode détente, voilà. Alors, 1-1-1. Putain, alors, je pense que je vois le bunker devant moi, là. Ça bouge un peu quand même en bas, c'est pas flagrant. Ah si, en fait je peux voir là, quoi. En fait, ça me simule... Ah, c'est bien ça. Ça me simule comme ça l'emplacement. Ah, il est fort ce jeu. Alors... oui, on va prendre le... On va prendre ça. Faut pas être... Ouh là 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 là, non, je vais dans le rough là. Non. Ah là là, aïe aïe aïe. Ouais, rough et en plus près des arbres. J'ai mal calculé ma distance. Bon, c'est pas grave, il me reste 110 yards. Bon, on y va comme ça. Ok.
Ah, j'ai pas tenu compte du vent. Puf, allez. Ok, directement. Tu peux te gratter la tête, va. Ah non. Non, non. Il y a du vent, du coup, on va se tourner un peu. J'ai pas un truc spécial pour le sable. Putain, j'ai pas ça. J'adore les musiques, surtout. Bon, allez. 36, moi j'ai un 90. Hein. On va essayer de... Voilà, sortir comme ça. Et puf! Aïe, aïe, aïe. Bon, ben voilà. Alors, 24 yards. Hein. Puf! Ah la vache! Il n'y a pas beaucoup de jeux de golf, effectivement, qui peuvent être joués encore aujourd'hui. Je pense que PGA, c'est limite. Hein. Après, le classique, c'est évidemment un Out of Master. Hein. Je me demande si le petite échelle en bas, en tout en bas, là, c'est pas un yard par truc. Bon, on va pas dire comme ça. Allez, on sort là. Ah, trop fort. Non, trop fort. C'est chaud, hein. 5 yards. Mais là, je prends le putter. Hein. 5 yards, je putte quoi. Et là, plus 2. Bon, c'est pas si mal pour un premier trou. On dirait un peu la musique de Tiny Toon avec mes All-Stars, non? Ah, les jeux de boxe, c'est horrible. C'est que du bourrinage, c'est pas assez précis. Je pense que ce jeu de boxe potable, c'était quoi? C'était les... Il s'appelait comment ces jeux de boxe et simulations sur 360 et PS3 là? Fight Night, merci Dom. Il n'y a aucun jeu de tir à l'arc sportif. Ah non. Bah dans la Peak Gold, t'as l'épreuve de tir à l'arc. Alors, il y a un petit peu de... Mais center, c'est bien. Par contre, je vais me décaler un petit peu, là. Peut-être pas trop. Je sais pas. Franchement, là, je suis un peu... Bonsoir à Norlando. Bonne année. Allez. Allez, nickel, entre deux arbres, c'est parfait. Non, ça va. C'est pas si pire. Il reste 143 yards. Ok, on va aller un peu par là. Putain, t'as eu chaud demain. George, il est vraiment pas bien, George Foreman. Hein. C'est vraiment pas mieux du tout. Hein. Le casse leaderboard, je l'ai là. Je l'ai sur Mega Drive, je crois avoir le casse leaderboard. On le fera bientôt celui-là. Je sais pas s'il est, il a pas l'air très très bien. Il a l'air assez basique, à premier abord. Mais c'est, il y avait un jeu de box Mega Drive hein, dans une DVHS promo Sega d'ailleurs. C'était lequel hein? C'était... peut-être Foreman d'ailleurs. J'arrive pas à doser mes tirs, j'arrive pas à me rendre compte si la jauge rouge c'est trop ou s'il faut vraiment aller au fond. Pff, à Mohamed Ali, je sais plus. Franchement, je me rappelle plus. Celui qui avait les plus grosses sprites, c'était George Foreman. Mais il avait également été. Son moteur avait été repris pour Evander Holyfield, je crois.
Il me reste 50 yards. Bon, facile, c'est la moitié. Allez, on y croit. C'est pas mal. Sur Mega Drive, il est sorti... 91. Peut-être pas le même remarque. Hein. Et le petit, voilà, le petit classique. Le petit classique. Bon, tout droit, de toute façon. Hein. Ça monte un petit peu. J'ai 15 pieds. Merci, Catel. J'ai 15 pieds, donc on va monter un petit peu. Un peu plus que... Alors... 1, 2, 3, 4, c'est divisé en 5. Hein. Allez, on y croit? On y croit pour le par? On y croit pour le par? On y croit pour le par? Ah la vache! Ah la vache! Ah là 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 là! Je suis à 1 cm quoi. 1 cm. Mais oui, mais c'est bon, je vais le rentrer maintenant. Hein. Bon, voilà. Plus 1. Quelle lose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sorti, Tiartex? J'ai du mal à toujours à remettre les développeurs par rapport au jeu. Alors. Putain, j'ai du mal. Hein. Il y a toujours du... Qu'est-ce qu'ils ont fait, Tiartex? Attends, qu'est-ce qu'ils ont fait, Tiartex? Ils nous ont fait quoi, ce Mega Drive? Ah non, ils ont fait Olympic Gold, hein. Turbo Outrun, F1, mais F1 c'est un bon portage, hein. Indiana Jones et The Last Crusade, qui est pas très bien, World Cup USA, que je connais pas, Olympic Summer Games, c'est pas bien, Winter Olympics, je connais, hein. Super Kickoff, MiG 29. J'ai l'impression que Tiartex, il y a un peu à boire et à manger. Ah, attends. Je sais pas Tiartex pour Strider 2, tu vois. Mais peut-être qu'on parle plutôt de Tiartex Design Studio. Qui doit être un autre nom de Tiartex. Ça arrive à charger là. Non, bah non, c'est les mêmes. Hein. J'ai pas Strider 2 hein, chez Tiartex. Hein. Non, c'était US Gold. Bah, en même temps, US Gold, c'est peut-être. Peut-être que Tiartex, c'est un phoné. Ah non, Tiartex, ils ont bossé pour US Gold. Hein. Mais ils sont pas crédités sur Strider 2, hein, sur Saga Retro. Mais ils ont porté Alien Star sur CPC par exemple. Et sur Commodore. Et sur Spectrum. Putain, enfin, faut que je vois comment ça rend sur Spectrum. Alien Storm, ça peut être... Ça peut être rigolo, quoi. Bah, je suis curieuse parce que... Alors, Sega Retro, en général, ils savent de quoi ils causent. Attendez, je vais regarder vite fait Strider 2. En plus, la musique est super bonne, là. Donc, on profite, hein. On s'ambiance. Strider 2, Strider 2. Ah oui, tiens, Tiartex. Bah alors. Bon, c'est mal foutu leur fiche développeur hein, sur Saga Retro. Ah ouais, Strider 2, c'est pas ouf, quoi. C'est pas horrible, hein, mais c'est pas bien, quoi. En fait, ils ont un problème de croisement de BDD, j'ai l'impression, parce qu'ils ont bien Tiartex en développeur de Strider 2. Sur la page Tiartex, il n'y a pas Strider 2. Super, merci, Catel. Alors, donc, notre troisième trou, là. Est-ce qu'on va réussir à atteindre le par? Ah là c'est pas mal, là je suis au max, normalement.
Nice shot. Ah, il est content. Oh, j'ai battu leur corps du trou. Excellent. Putain, alors le drapeau qui est juste après un bunker, c'est pas cool quand même. 163 yards. Ouais, on va faire ça. On va y aller à fond, hein. Allez. En plus, ces gars rétro, ils sont pas à jour sur les jeux récents. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? Mmh. 21 yards. Je sais même pas où je suis. Allez, c'est pas grave. Mmh. Sur le green au moins, là. Même pas sur le green. Oh, mais quelle nounuche. Ça, c'est pas maintenant que je râle pas, hein. Ah, faut que je rentre là, sinon. Je peux t'aider. C'est 110 feet. Attends, alors comment tu convertis les feet en yards? Bon, et c'est quoi? Ah, ah, 4 feet! Mais quelle arnaque! Mais non, poil, laisse tomber, c'est nul. Il est nul. Je peux dire qu'il est bien dur ce jeu. Alors, on the green. Bon, ça monte pas trop. Ça penche pas trop. Donc on va essayer de se faire un truc. Ah bon, j'aurais pas planté le coup d'avant. Enfin, les coups d'avant. Bon. Ah, encore un petit, parce que j'aime bien le golf. Hein. Puis bon, de toute façon, vu qu'on a zappé Wacky World machin, là, on peut se le permettre. Ouais, mais on tente le par. Il est en quoi celui-là? Par 3. Bon, alors. Voilà, où est-ce que je suis par rapport au trou? Eh bien, doudou. Tout droit. Ah, c'est le vent qui se reporte là. Mais oui. J'avais pas fait gaffe. D'accord, c'est le vent par rapport à mon tir. D'accord, j'ai pas compris la logique. Bon. Allez, celui-là est magnifique. Celui-là est directement sur le green. Putain, le vent de... Oh la... Ah, saleté. Samy, où? Oh là 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 là. Beaucoup trop loin? Non? Non, pas mal. Ah! Le par est une possibilité. Par contre, ça penche. Ça penche et ça monte. On se fit. Ouais, mais je vais faire plus que ça, quoi. Allez, on y va là-dessus. Allez! Ah, trop fort! Ah là 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 là! T'as quand même me juge, le mec moche là? Pff, alors. Ça penche dans l'autre sens, bien sûr.
Ah, c'est une provocation, là! Ah, quel enfer! C'est un peu technique, hein. Ah, quand même. Plus deux encore. Oh, la cata, quoi. Tout le monde est à moins 2, moins 3, et moi je suis combien? Moi je suis à moins 18. Hein. Enfin, plus 18 plutôt. Un petit dernier, et puis on change de jeu, allez. Oh, il y a de la flotte. Oh là, il y a de la flotte. Twitch est revenu? C'était parti, Twitch? Twitch est parti? Ah, ça a coupé! Ben, pas chez moi. C'est Twitch qui est en carafe, attendez. Attendez, ça fait un quart d'heure que je fais des trous tout nuls, hein. Non, moi je suis encore live, écoutez. Ah bah écoutez, on verra le replay, non, ce que ça fait. Live, on verra. Bon, vous avez raté un trou tout nul, hein. J'ai fait plus 2 sur un par 3, voilà. Que j'ai foiré de mon pote 2 fois d'affilée. Et bon, il y aura le replay qui marchera, je pense, parce que là, ça marche. Non, apparemment, c'est général. Mais non, moi, c'est bon, ça n'a pas arrêté le streaming, donc... Du coup, je refais un trou pour vous, on va dire. Parce que si je fais ça, en fait... Là, c'est ma direction, là, c'est le vent... On va aller comme ça. Oh là non, pouah, j'ai tout raté. Pas annulé? Pouah. Lamentable. Eh ben, c'est du grand spectacle aujourd'hui, hein. Le vent est impitoyable. Quel enfer. On va partir comme ça. Je sais pas où je suis. On manque un peu de repères quand même pour savoir où on est, parce que là j'ai l'impression d'être vraiment dans les choux en permanence. 1, 2, 2, 3, 4, 5 on va dire, 132 yards, allez. Faut être skillé parce que pour avoir la bonne puissance, bon effet... Ah là là, putain, voilà. Qu'est-ce qu'a mis où? Donc un tiers, hein. Le vent, c'est ouf, hein. Moi, je suis sur le green. Ça penche de ouf. Ça penche de fou. J'ai intérêt à me décaler vers la gauche. 14 feet. Ah, ça penchait de ouf, hein, je savais. Hein. Je le savais. Bon, là, c'est bon, là. Et allez, encore un plus 2. Plus 3, allez! Bon, et on va finir là-dessus. Donc, effectivement, c'est une vraie simulation. Voilà, Ultra des Golf Simulation, c'est une vraie simulation, c'est méga dur. C'est pas Wii Golf, hein, ça c'est sûr. Hein. Miou, bébé, qu'est-ce que tu veux, Mekai? Allez. Mais j'aime bien, mais ça demande d'investissement, ce genre de jeu, quand même. Hein. C'est pas Note of Masters, hein. Oh là là. Allez, next.
Le prochain de la série, qu'est-ce que c'est? Ah, on va se taper du foot et du baseball, hein, moi je vous le dis. Mais pas ce soir. Ça, on l'a fait. Wani Wani World. Ah, c'est sympa, ça. Wani Wani World, c'est un petit jeu de réflexion. Puzzle. Réflexion, plateforme. Je me rappelle comment on joue, juste. Kaneko. Option. On va se mettre des vies, hein. Et des crédits, normal, hop. Donc un jeu Kaneko qui date de... Hop, je vous dis ça tout de suite. Wani Wani World qui est sorti en 92, hein, uniquement au Japon. Et qui est dans notre sélection des 100 jeux à faire sur Mega Drive sur Sega Mag. Ça lorne pas mal du côté Puzzle Bobble, hein. Mais que les grands titres après, ça a vraiment son entité propre. Alors, 76% d'un console plus. Ils l'ont testé, tiens. Enfin, je m'en rappelle pas. Alors. On met des coups de maillet. Ah, bah ça marche pas. Ah, les coups de maillet, c'est pas pour les ennemis, c'est pour les... Ah, je sais plus. Si, ah d'accord, c'est pour les enfoncer. Alors. Voilà, en fait on tape sur les ennemis. Hop, pour les faire tomber à travers la plateforme. Voilà, voilà. Et quand il y a un trou... Ah, il me s'est mal démerdé. Il tombe tout seul au bout d'un moment, voilà. Et voilà. Easy peasy. J'en ai aucun souvenir de ce test. Est-ce qu'il y a une subtilité? Je sais plus. Il n'y a qu'un bouton de façon. Hop! Au bout d'un moment, il se... Voilà. Ah mince! J'ai mal joué. Ah, j'ai raté les bonus. Ah, flûte! Ah là là, je vise mal avec mes... Bon. Ah, le gros panier. Le gros panier. J'ai raté le gros panier. Putain, il va pas dans le trou, lui, hein. T'en as eu deux. Ah, il se coince tout seul. C'est le moment, parce qu'après, sinon, il se décoince... Elle sait pas quoi faire de sa vie, elle. Voilà. Allez, ça tombe. Voilà. Amiou, bébé, viens. Viens, bébé, viens sur les genoux. Viens, Makai. Tu viens? Bah oui. Ah, pardon, incident de chat. Voilà. Viens, Makai. Ah, du coup, coucou à la caméra. Alors. Pose-toi là. Pose-toi là. Mais si, pose-toi là. Alors, je vous jure. Bon, tu te poses ou pas? Est-ce que tu te poses? Oui? Ou te faire le compte devant la... Non, bah non, évidemment que non. Bon, écoute, hein, débarre-toi, fais ta vie. Donc après, est-ce que la subtilité après dans le LD, parce que c'est pas non plus... voilà. Ah, c'est chaud, là. Continue, bien sûr. Ah, j'ai des bonus. Ah, flûte! Je suis invincible, là? Ah là là, je suis nul. Tu viens ou pas? Tu viens ou pas, le robot? Allez, ça tombe.
Jeu d'arcade à la base, je ne crois pas. Il me semble que c'est l'exclusivité Mega Drive. Ils sont cons, les verts. Ils sont vraiment très très cons, les verts. Allez, Maca, tu te poses ou pas? Allez. Voilà. Là, on est bien. Ah, merci pour les trivia, Katel. Ah, ils sont trop rapides. Ah, je suis mal barré, là. Ah, mais... En fait, quand t'es en bas, t'es vraiment... Ah, trop rapide. Quand t'es en bas, t'es vraiment coincé, en fait, hein. Ça fait quoi, ça? Ah, téléporteur. Ok. Il n'y a pas un qui a monté, là? Ah, pas mal. Oh là là. Allez, gros gâteau. Est-ce que je peux le dégommer, là? Ah, ça, c'est parfait. Le gros gâteau! J'ai perdu le gros gâteau. Alors... Putain, il y en a plein, la vache. Téléporteur à fond, là. Oh, allez, attends. Je peux même pas sauter, là. Qu'est-ce que je... Comment je peux faire, là? Ah, si, une bombe. Oh, la vache. Ça me l'air un peu chelou. Je sais pas trop comment me débrouiller quand je suis au rez-de-chaussée, en fait. La bombe, c'est les bombes, je pense. Ah, voilà. Ah bah, écoute. Ok. Bon, voilà, c'est gagné. C'est quand même un petit peu random, hein. C'est bon, t'es posé, toi? Alors, je suis où? Aïe, aïe, aïe! C'est chaud, hein? Mais j'ai pas de saut, en fait. Ah, d'accord. Si je fais ça, ça y est rétabli. Ah, il est pas con, lui, hein. Ah si, il est con, pareil. Ils sont tous ces cons. Pas de problème. Ah, flûte. Il est plus marrant à deux, je pense. Et voilà, travail. Bon. C'est quand même pas très varié, hein. Ah, il descend. En bas, je sais pas. Entraîneur en plus sexy. Ah la vache, trop rapide. Viens, mon gars. Ah, flûte. C'est dur, hein. Comment il s'énerve, lui? Vas-y, mon gars, tombe.
Ça peut être marrant à deux. C'est pas un genre non plus qui est très fréquent sur Mega Drive, donc bon, voilà. Alors, putain, je suis toujours en bas, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Olé! Ah là là! C'est méga dur, quand même. Oh! Oh là là! Oh là, c'est la fête, là! C'est la fête, c'est la fête! Oh là, il y en a trop. Ça m'a l'air quand même assez random. Hein. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment se faire des runs avec le tirage au sort, les machines à sous, là, je sais pas. Bon, au moins je garde mes bonus. Par contre là, je suis complètement tributaire en fait de ce truc là. Ah mince. Voilà, voilà. Allez, mon gars. Ah, mais non, mais vas-y, tombe. Voilà. Ah bah du coup c'est un jeu qui se finit vite. Hein. Bon je pense qu'on l'a vu assez. Hein. Il me semble pas qu'il y a des boss. Ah si c'est un boss ça. Ah non, il y a que la musique qui change. Ah putain scrolling forcé la vache. Ah là 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 d'accord. Bah voilà, un petit rebondissement. Et je perds tous mes bonus évidemment. Ah, flûte! Ah non, non! Putain! C'est chaud patate quand même. Quand t'as pas les bonus! Vas-y, monte! Ah, vas-y, monte! Ah, ça sent le boss ça, non? Bah voilà. Bah voilà, t'as revu un boss. Où elle est. Pixel. Ah, flûte! Je voulais pas la traduire quand même. Ah! Vas-y, viens te. Ah la vache! Ah pas mal! Et c'est bon. Ah voilà. Et ben voilà, niveau infini. Et écoutez, on voit le début du niveau 2 et puis on passe à autre chose. Hein. Oui. Je
Je sais pas, j'appuie au pif. Ah, j'ai pas chopé les bottes. C'est très mignon quand même. C'est vraiment très mignon. Ah, un peu de changement. Ça se complexifie quand même. Hein. Bon, j'ai quand même arrêté là. Oh, que. Allez, encore un petit niveau. Ah, je poussais les bombes aussi. J'avais pas vu ça. En fait, il y a plein de couches. Hein. Ah! Vous allez remonter ou pas? C'est bon. Et j'ai des bottes. Le petit air du dino, c'est cool, c'est marrant. Ah ah! Bon. Tu descends? Allez, toi tu descends, ça dégage. Mais je pense qu'on peut plus faire des stratégies en fait à deux joueurs. Tu peux t'occuper de façon plus efficace des ennemis. Eh, je testerai avec Xeros. Lui qui adore ce jeu là, c'est bien connu. Ah mince, par contre pour grimper c'est chaud. Il est moyen de se marrer, je pense. Ah putain, j'arrive pas à grimper. J'ai pas bon timing. Oh là là. Évidemment. Bon, un petit sacrifice. Ah, il s'excite lui, disons. Quand on a vu World of Illusion, déjà le résultat, qui était assez rigolo, je pense que c'est moyen de se marrer. Peut-être pas une soirée entière, parce que ça, je pense qu'on va rager lui comme moi, mais ça peut être rigolo. Oula. Salut Paladin Chillax. Oui, c'est une chaîne Sega, c'est la chaîne de Sega Mag, le site francophone numéro 1 sur Sega. Et donc là, je fais les jeux de Mega Drive de A à Z. Pas en entier, hein, la découverte, hein, ça fait, je joue une demi-heure à chaque jeu à peu près, un peu moins peut-être. Et donc là, on est au W, c'est Wani Wani World, qui est un jeu Kaneko sur Mega Drive. J'arrive pas à grimper, pourquoi j'arrive pas à grimper? Oh là-bas. Ah, putain. Bienvenue, Paladin Chillax. Ah, bonsoir Mike, bonne année à toi aussi. T'as pour traverser là. Oh là, hop, hop. Hop. C'est le jeu parfait pour les fêtes, je pense, World of Illusion. Elle replay sur YouTube, hein, si ça t'amuse. Hein. Bon, c'est moins drôle qu'en live parce que, bon, évidemment. Ah, il s'énerve. Je suis coincé, c'est pas grave. Bon, écoutez, je m'arrête là pour celui-là. On a quand même joué une petite demi-heure, là. Il est bien fun. Et ouais, je pense qu'on cessera. Je vais mettre sur ma liste des jeux tout top. Coop à faire avec Xeros. Allez, next. Le prochain, c'est quoi? Warner. Je ne connais pas Warner. Alors, Warner... qui est un jeu Visco. Ah, d'accord, d'accord. Un jeu Visco qui est sorti en 91. 91. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Visco, eux? Ah, mais Catel saura nous dire ce qu'avait Visco.
Ils ont fait exactement rien à part Warner Championship Bowling. En tout cas sur Mega Drive. Hein. Mega CD World Rally qui n'est pas sorti. Ah mais si, Visco, bien sûr. Bien sûr. Visco. J'ai lancé le jeu. Attendez, mince. Du coup, j'ai trouvé. Visco, c'est... Ils ont sorti l'excellent jeu de Mahjong. Lovely Pop Mahjong, Janjan Shimasho. Janjan Shimasho. Qui est un jeu de Mahjong érotique. Sorti en arcade. Il y a également une suite. Et c'est ce jeu. Merci pour le follow, Paladin Chillax. Et en fait, Lovely Pop Mahjong, Janjan Shimasho. C'est le jeu avec lequel j'ai appris à jouer au Mahjong. Et c'est un de mes premiers articles pour Planète Ému que je vais vous partager sans vergogne. J'avais testé une bonne partie des jeux de Mahjong érotiques en arcade. Pour en faire un dossier érotique. J'ai fait deux dossiers en fait sur les jeux érotiques en arcade. Un sur les jeux de Mahjong et un sur les puzzle games. Et je voulais en faire une troisième avec les jeux un petit peu... avec un petit peu de tout. Et finalement... j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps, quoi. Voilà. Donc voilà, Lovely Pop Mahjong Janjan Shimasho. Excellent jeu d'arcade, disponible évidemment sur MAME. Avec des menus pratiques pour apprendre à jouer au Mahjong si vous voulez pas le faire dans Yakuza. Comme le font maintenant les gens. Oula, oula, Warner, c'est pas neuf. Hein. Ah, Galspanic, c'est... Ah oui, c'est des kicks érotiques, ça. Non, est-ce que c'est érotique? Galspanic, c'est bien un kick érotique, hein. De mémoire, hein. Je suis pas sûr. Ah, c'est laid, hein. Beaucoup, c'est vraiment très très laid, hein. C'est Toki en fait. Ah ah ah. On saute, on en fait des boules de feu et on saute. Simple, efficace. Je peux pas sauter. Ah, je peux grimper là. Attends, comment je... Attends, c'est une blague là? J'arrive pas à grimper sur la... Ah, je peux pas grimper. Faut prendre un autre chemin. Mais c'est quoi ce... Mais comment... Comment j'y vais? Comment j'y vais? Ah voilà. Oh là là. D'accord. La musique est cool. Ah, j'ai une cape maintenant. Ok, ok. On recommence. Ah, les bonus ne se réparaissent pas. D'accord. Ah là là. Bon ben, ok. La jouabilité. La jouabilité, la gestion des sauts. Pouah. C'est au pixel, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar?
c'est que ce... C'est quoi cette gestion des... Qu'est-ce que... Quoi, mais... C'est d'une rigidité. Vous... Ah, c'est des canons, ça. Eh ben, voilà. Bon. Bon, 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 bon. Intérieur name. Fuck. FCK. Fuck. Ah, j'ai droit à... Ah, j'ai droit à deux. Alors, 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 alors. Allez. Oui, j'ai 12 ans. Voilà. Alors moi, j'en pars pas au début. C'est quand même d'une mocheté assez sidérante, hein. Oh mais vas-y quoi. Il peut se baisser au moins. Il peut se baisser. Vous voyez Toki? Eh ben Toki c'est beaucoup mieux. Mais comment? Bon j'avançais. J'avançais sans viser les trésors hein, parce que là c'est pas possible. Allez, on avance juste. Voilà. On avance. Ah putain, la lave! J'ai pas vu la lave. Ben voilà, Toki, c'est pas mal. Ça, c'est de la... Ça, c'est... C'est pas comme Toki. Attends, je peux même pas... Je peux... Ah! Alors moi, j'ai eu la Mega Drive à l'époque, Paladin Shilax. Je l'ai eu à Noël 91, la Mega Drive, avec 4 Red Beast. J'étais assez vieille pour avoir la Mega Drive à l'époque. Ah, 93, donc 93 donc pour avoir Aladdin. Mais vas-y là, mais alors c'est là tes flammes. Hein. 99, oh là là. Ah oui, oui. Et du coup, tu traînes sur les streams rétro. Bah, c'est cool, hein. C'est bien d'être curieux. Là, bon, tu tombes pas sur le haut du panier, hein. Je te cache pas que c'est pas ce que j'ai fait de mieux sur ce stream. Ah! Putain. Et évidemment, voilà. Donc, c'est bien ça, si je me coince... C'est bien les petits jeunes qui s'intéressent au rétro. Bah 94-96, oui, effectivement, c'était vraiment un cadeau pas cher à l'époque. Hein. Ah non, faut que j'accroche, en fait. Allez. Ah, bah, c'est tout qui sort pas. Hey. Ah, attention. Ah là là. Mais c'est quel enfer, hein. Oh mais en fait tout tente de me tuer là. Mais ah. Quelle angoisse. Ah la Sony Compilation. Ah super, bah, franchement c'est de la chance. Ça reste un beau cadeau même à l'époque. Hein. Putain, faut vraiment être au poil de cul. Oh, mais vas-y, nique-toi! Putain. Oh, putain. C'est quoi, ça? Ah mais enfin, au bout d'un moment, faut arrêter là les conneries là. Ce saut, il a tellement un gros cul ce personnage. Hein. Les sauts, c'est assez infernal. Hein.
Et tout en de te en plus, quoi. T'as pas de répit, quoi. Tiens, safe state, hein. Rien à battre. Ah, mais vas-y, là! Vous avez pas de musique? Ah, le son un peu bas. Vous manquez rien, hein. Je monte un peu. Mais non! C'est pas possible! Aïe, la vache. Need for Speed. Ah, c'est Garly. Pour Monsieur X, ce jeu, hein, clairement. C'est un truc de masochiste. Hein. La Saturn, moi je l'ai eu, je pense, en 96. Avec Sega Rally et Street Fighter Alpha, durant l'été. Et ensuite, j'ai eu KOF 95. Oh là, on y arrive. Wouh ! Ah putain, un boss ! Ah putain ! Mais putain, mais la Dreamcast, je l'ai eu aussi, genre en 2000. Hein. Effectivement, j'avais aussi clavier, et en fait, à l'époque, je suivais le football. Et je suivais le 3, le stade de l'Aube. Hein. Et j'allais voir les matchs en direct sur F365, sur avec le navigateur Dreamcast. Je vais le bourrer, lui. Hein. Putain, vas-y, nique-toi. Ah, c'est bon, je l'ai eu, non? Putain, non. Ah, mais c'est quoi, c'est... Ah, quand même, ouais! Ah, les lives en direct avec le truc qui déroulait. Je pensais bien qu'à l'époque on pouvait pas voir les matchs. Et le clavier Dreamcast, ligne téléphonique, et je suivais les résultats quand j'étais pas au stade. Magic of the Sun. Mais j'ai pas de thunes en fait. Si, j'ai 5000. J'ai 5000. Moi, je vais me prendre la magie du sun. Hein. Ah, j'ai pas assez. Ah, j'ai 2000. Bon, on y va. Mais j'ai 2000. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est que ce... Ah non, combien j'ai... Ah, j'ai pas de sous. Ah bah voilà, super. Bon bah, casse-toi. J'ai connu la grande époque. J'ai connu la montée de l'attaque en Ligue 1. J'ai connu la campagne européenne de la Stack aussi, avec Rotten, avec Hurtbis. Il y avait l'Achuaire, hein, à un moment donné, même. J'ai connu le 5-2 ou 5-3 infligé au PSG, avec le coup franc direct de Jérôme Rotten. Tout à fait, qu'a-t-elle la grande époque d'Alain Perrin. Avec tous les joueurs du cru, c'était vraiment une super époque. La coupe Inter Toto. Ah! La coupe Inter Toto, la coupe UEFA. J'étais allé voir le, je sais pas, 16e, 32e de coupe de l'UEFA contre. C'était Leeds, au stade de l'Aube. On avait perdu, mais à un but près, quoi. C'était assez incroyable. Hein. J'y allais, il y avait encore le stade avec uniquement 3 tribunes. Et ce qu'on appelle la tribune populaire, à savoir une motte de terre, hein. Une butte de terre qui était derrière le but nord. Hein. C'était assez sacrée époque. Hein. Ouais, les... Ah putain, c'est invulnérable ça. Ah oui, super, j'adore ça, les sauts. Dans ce putain de jeu.
sur BFM pas, tiens. Ah bah tiens. Oh, une copine. Attends. Il y a un mur là. Non, c'est pas un mur. Ok. Olé, 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 olé. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je fais là? Moi, ça marche pas. Ah, CVS sur Dreamcast. Le 2 est plus complet, mais il est plus bordélique. Pour moi, le 1, c'est meilleur quand même. Puis les décors 2D. C'est quand même incroyable. Ah! Putain. Les super décors en 2D pixels avec les effets de lumière et tout. Oh là 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 là. Les petites intros avant les combats. Ah, trop tôt! Faut être patient en fait. Mais vas-y là! En fait, j'ai pas de patience, c'est mon problème. On retente. Il me reste 2 crédits. Je finis mes crédits quand même. Maintenant que j'ai le truc. Hein. J'avoue que c'est assez inventif au niveau level design pour un jeu qui datait, à mon avis, de 85 ou 6, à mon avis, vu la gueule des graphismes. Putain. C'est ma faute, c'est ma faute. 17 sur 20 sur Mega Drive, c'est abusé, c'est quand même trop moche. Me tue pas lui. Ah, trop tôt. Putain. Putain, la hitbox. Hein. Ah, vas-y. Un petit safe-tête, hein, excusez-moi. Je voudrais quand même bien voir ce qui se passe après. J'avoue que le jeu est prenant quand même. D'accord, voilà Miyu. Ah, tu peux. Ok, c'est bon, on est pas mal là. On est pas mal, on est pas mal. Enfin, jouabilité parfaite, parfaite, j'irai pas jusque là, moi. Je dirais que c'est acceptable. Comment ça? Il y a un plus, c'est du temps? Oh, mais vas-y là. Oh, mais c'est pas possible, non mais. C'est vraiment un jeu de. Enfin, c'est pas possible. Mais... Kick et Melon, c'est de la merde aussi, donc... Mute, t'as que devant l'écran, s'il te plaît. Ah mais je peux rien faire, là. C'est pas possible, c'est quoi ce timing? Ah. C'est quoi ce timing? Ok, c'est bon. Ça va me tuer, ça. Hein. Si je vais là, non, ça va. Camélon, il est tellement chiant. Mais... mais c'est... Enfin, franchement, c'est abominable, quoi. Voilà, là. De toute façon, à l'époque, mauvais jeu, c'était 16. Hein. Regardez-moi, est-ce qu'on a le temps? On n'a pas le temps. Est-ce que je peux même pas éteindre? Oh là là là! Ah non, mais franchement. Ouf! Ça se joue à la frame, hein. Mais vraiment.
Ah mince, je suis en bas du coup. Bon, ok, d'accord. C'est que la punition. Là, franchement, si je veux avancer, j'ai pas le choix parce que les timings sont tellement chauds que c'est un peu sale, mais j'assume. Hein. Ah ! Ah, j'en reviens là. Ah, mais quelle nuche! Ouais. Attends, on va sauver là. Shadow of the Beast, c'est infâme. Hein. Putain. Ah, mais putain! Je me souviens, à un moment donné, tu tombes dans un puits, si t'as pas la lumière, t'es foutu, quoi. Enfin, tu peux remonter, peut-être, mais... Les ennemis qui repop, c'est... Est-ce que c'est pas infernal, les ennemis qui repop? Wish! Alors, il y a un truc, là. Ah! Ah, c'est dégueulasse! C'est vraiment dégueulasse! Heureusement, on peut aller en bas. Oh la vache, le tapis roulant. Ah, c'est trop dur. La tapis roulant plus ce truc qui bouge, là, franchement, c'est infernal. Et tant qu'on se baisse, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu veux faire, sans déconner? Qu'est-ce que tu veux faire? Le temps que tu te baisses pour esquiver, tu reviens au début du tapis roulant, quoi. Ouais, bah je saute dedans, voilà. Dernière vie, dernier crédit, je crois. Bon, hein. Oh, bah fouet, laisse tomber. Bon, c'est fini, non? Game over? Crédit zéro, game over. Et là, voilà. Voilà, niquez-vous. Donc, Warner... Bah, côté masochiste, c'est bien. Mais alors, pour les gens normaux, je crois que c'est un peu le Dark Soul, jeu de plateforme. Voilà. Non, c'est pas nul du tout, par contre, c'est infernal la difficulté, franchement, c'est vraiment infernal. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi suivant? Quelle heure elle est? On peut faire un dernier jeu ce soir, après je vais me coucher. Warlock. Alors ça datait du film du même nom, je pense. Allez, Warlock. En même temps, t'étais maso, mais tous maso. Moi, quand j'étais petite, hein, j'ai eu Altered Beast avec ma Mega Drive. Hein. J'ai eu que ça durant 2 mois. Je le finissais à l'époque, hein. Y compris toute seule, hein. Peut-être pas en difficile. Hein. Mais en normal, je le finissais toute seule, ça passait. Alors, quand je vois musique on ou off, je me dis, toi, t'as un transfuge de jeu micro et c'est pas forcément de bon augure. Orb, fire, jump, ok. Oh, c'est joli. Je peux diriger mon orbe. Je peux tuer les chiens ou pas? Ah bah oui, je peux tirer sur les chiens. Ah putain, un méchant. Comment je fais là? Comme ça. Ah, des. Ah, c'est... T'as pas tiré sur les chiens. 87%. C'est de mémoire ou t'as ton fichier Excel Oh la vache, hein. Hello, hello, hey, 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 dis donc, je vais crever. Putain, la roulade, dès que tu fais diagonale bas avant, c'est infernal. Ouais, ben j'ai tué quelqu'un. Tu peux te tuer, toi? Voilà.
Bonne soirée, Dom. À la prochaine. Putain, ça met 3 ans! Ça met 3 ans, son orbe à la con, à partir, là. On peut le diriger vers le haut aussi, j'ai l'impression. Ouais, bof. Ouais, si. Pas ta concluant. Mais vas-y, là! Ah! Putain, ça met 3 ans, c'est vraiment de la merde. Allez, un coup de laser. Hein. Voilà. Faut maintenir, en fait. Tu maintiens A, une direction, et l'orbe part, en fait. Quel badass. Pardon, t'as les jongleurs. Hein. Un sorcier jongleur, comme un rappel qui crache du feu, qui est un sarouel. Oh, attends! On n'est pas sur le même plan, c'est abusé, quoi. Le 2 est pas très bien non plus. Hein. Tout of the Beast, c'est pas des bons jeux. Hein. Ambiance sonore et feutrée, on va dire. Hein. Ouais, allez! Ça, c'est pas bien. Hein. Ah, mais t'es ta mère! Hein. Ah putain. Arrête de faire des roulades, imbécile! Mais c'est pas possible d'être aussi con. Game over, ça y est. Ouah. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je teste un petit peu. Allez, le diabolo, là. Bon, ça, je peux... Putain. Ah, ok, donc en fait directement. D'accord, ok. Ok, donc c'est pire que Sonic, quand on tombe dans l'eau, on meurt pour de bon, quoi. Au départ, c'est un film, un Warlock. Hein. Mais alors... qui avait dû pas mal bider à l'époque, à mon avis. Rabuté ! J'ai pas le temps avec mon truc pourri, là ! Ça met 3 ans à tirer, qu'est-ce que tu veux foutre hein? Mon diabolo, là. Ah là, mais même ça, c'est trop lent. Mais c'est nul. Mais c'est très très nul. Regarde ça, là, la portée de ce machin. Il fait des roulades tout le temps, cet imbécile, là. Le saltimbanque, allez. Ça alors, Rastanos. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bon, je peux tirer dans mon dos au moins, c'est l'avantage. C'est palpitant. Ah, ouais, hein. Quelle action trépidante. Hein.
quoi ça sert. Ah mais putain, mais on n'est pas sur le même plan. C'est scandaleux. Ça sert à quoi ça? Ah. Bonsoir Catel, bonne soirée. Amuse-toi bien. Enfin, des fois c'est un coup, des fois c'est deux coups. 87% Warlock, sans déconner. C'est une honte, hein. De toute façon, dans les trucs un peu micro, dès que ça bouge un peu bien, ça y est, c'est trop bien. Voilà. C'est que de la para. Je suis presque morte, hein. Ah! Bon. Mais non, mais pff, c'est pas possible. Les collisions de chi, là. Ils sautent même pas assez haut. Putain, je peux tirer en diagonale? Il peut même pas marcher sur une table, cet imbécile, hein. Oh, mais vas-y, quoi. Miyu, arrête. Salut Paladin, pourquoi je suis morte? Oh, quel jeu de merde. Bonsoir Paladin, bonne soirée, merci d'être passé, merci pour le follow. C'est nul Warlock, c'est nul, voilà, c'est nul. On va quand même pas finir là-dessus. Non, je finis pas là-dessus. C'est trop nul. Oula, là-dessus non plus. Bon, je pense que le prochain stream va être un peu compliqué. Warp Speed. Attends, j'ai pas la foi. Ah, Unlicensed, ok. Bah non, de toute façon, après, c'est des jeux de stratégie, donc il va falloir bosser un peu. Qu'est-ce qu'on aura après? Le prochain, franchement, Warrior of Rome, enfin, Centurion 1, Centurion 2, Warsong. Bah ça, c'est Langrisseur, donc c'est bien, mais c'est long. Proto Waterworld, Wens Gretzky, Wens World. Je pense que le prochain stream, ça va être très, très, très... Ah, ça a bugué encore? Qu'est-ce qui se passe avec Twitch? Twitch en carafe? Ah bah oui. Bon, bah vu que Twitch est en carafe, on va s'arrêter là pour ce soir. Ils sont permis apparemment du problème de mardi. Hop, c'est revenu. Bon bah. C'est revenu, c'est très bizarre, hein. Ils sont vraiment des... On va recharger. C'est revenu Twitch? Bon, pas chez moi, mais si c'est vous, c'est revenu, tant mieux. De toute façon, on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai fait mes 5 jeux, donc j'ai fait mon quota. Donc ouais, la prochaine fois, ça va être, je pense, un petit peu sportif, parce que... ouais, Rome, Centurion, c'est compliqué, c'est de la gestion. Warsong, c'est du RPG. Tactical. Waterworld, je sais pas si on le fera. Wayne Gretzky, c'est du hockey. Et Wayne's World, voilà. Donc je pense que ce sera pas une semaine de qualité. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est la loi du hasard et de l'alphabet. Mais la semaine d'après, ce sera un peu mieux. Après, on peut se marrer quand même, hein. On peut quand même se marrer. Bon, écoutez, merci en tout cas. Merci à tous d'être passés ce soir pour cette reprise après 2023. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? On n'est que 3, donc écoutez, non. Hein, on va être à la cool. Je vous laisse aller vous coucher. Moi, je vais aller jouer au jeu que j'ai en test actuellement et qui sort bientôt et qui est très très long. Donc, j'ai intérêt à m'y mettre. Donc, bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, bah, écoutez, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.